très chère Diane, ma Wilhelmine d'amour. Ne vois-tu rien venir de scandale aux alentours? Oh, toi, mon tendre ami, mon soupirant Jaco, de la noble famille de ces fiers parisots. Hélas! Qui sait dans quel horrible et noir effroi me tient mon funeste père, Robert Bourassa? Comme une religieuse cloîtrée, il me dit amulette, de peur que je ne me fasse trop aller la luette. Diantre, Diane, donne-moi des mots qui sonnent au sujet de cet accord de Charlottetown. Toi qui erres seul, sans but, sois un peu missionnaire. Parle-moi, toi qui si belle, dans ta cellule erre. De mon cachot, j'ai pu écrire à ce tremblé qui, comme moi, a vu Bourassa s'écraser. Bourassa, mon père, qui aurait dû dire « non, ouais » au lieu de coucher avec Brian Mulroney. Mon père, en négociant, tu ne sais pas le pire, ne savait plus du tout la langue de Shakespeare. J'ai en main quelques lettres de hauts fonctionnaires qui, dévoilées, ferait plus de bruit qu'un Michel Chartrand en calvaire. Diantre, corne bleue, ne sois pas si peureuse. Donne-moi ces lettres, ne fais pas la tête. Oh, mais j'ai peur, mon Jaco, qu'on me mette hors du parti si Boubou apprend un jour que je l'ai trahi. Aie confiance, ma Diane, tu es très psychologue. Tu sauras raisonner ce mangeur de hot dog. Diable, s'il le faut, pour toi, je maigrirai. Oh. Je cesserai de fumer et mes dents jaunes, j'arrangerai. En moi, mets ta confiance. Je demanderai ta main. Tu ne prends aucune chance, je suis politicien. Et si votre jasage se rapporte à mon sondage, Boubou quittera Québec par l'autoroute Jean Lesage. De ces hauts fonctionnaires, lancez-moi les écrits et je serai à toi pour toujours, ma well-aimée. Oh, mon Jacques, comme tu sais parler comme un ange. Tiens, ma correspondance. Yes. Va, cours, vole et me venge. Il faut faire tomber ces lettres sur un bon terrain. Et quand ça sortira, je m'en laverai les mains. Laissons à ces journaux cette interrogation. Faire paraître ou ne pas faire paraître. Voilà la question.